Aujourd'hui, mes pieds vont me servir quelque chose là. Voilà. Nous avons fait une photo superbe. Ouais. Mmh. Oui. Vas-y, cherche ta Что? Je vais c'est bon. C'est sucré. Un Antoine en a acheté. Un groseille en a. C'est le premier qui cligne ou le premier qui regarde d'ailleurs? Les deux. Il faut pas rigoler. Ça, elle a déjà rigolé donc c'est bon. Moi. Ah merde, j'ai cligné. Et voilà. Les rues sont sombres comme le cœur de l'homme. T'enlever du mieux. J'appuie, ça marche pas. Si ? Attends, je recommence. Eh, c'est en film. Encore ? Liberté. Énorme. Changer avec. Concorde. Tout le monde sur la photo. Allez, tout le monde. Hein ? Kiss cool. Kiss cool, ouais. Et Oh le lourd! Fais gaffe, je te prends en photo! Tu aimes bonne douche? Bon, viens, on va voir la flamme. Ouais, de Mario Trion, quoi, à pleine flash! Je suis trop timide! Il rougit! En fait, je suis trop timide! Elle a calom qui me dort. Et c'est la 14e. Donc j'avais 14 lignes. Voilà. Mm-hmm. D'accord, donc là il y a tout ça, top, les Champs-Élysées, hop. Après il y a Concorde. Vous savez, à l'Open Tour, on est passé avec l'obélisque, tout ça. Après Concorde,
Il y a le comment on appelle ça? Nous sommes shopping à les Champs-Élysées maintenant et nous avons visité le magasin de Disney et c'est très bon, j'aime beaucoup et le Paris c'est super. Ça va Paris? C'est bien la neige, c'est marrant. Ah ouais, t'as jamais vu. Bah, moi j'ai jamais vu la mer de chez toi. Voilà. Ça peut te consoler. Ouais, la mer du Venezuela. J'ai jamais vu. T'as vu le père? Le père fondateur. Bon voilà. Hein. Bah, c'est pas fini, mais. Merci.
Elle a dit d'accord. On verra bien. On verra bien Lucky. Moi j'ai un doute. On en reparlera. Tu as pris ça, où tu as pris ça?
Alors moi c'est Omar, j'habite au Maroc, j'ai 18 ans, je suis cette année au bac en sciences expérimentales. Bah, pour ce qui est France, on a appris plusieurs choses, beaucoup de choses pour la culture française. En débutant par la visite de Paris, après on a visité le Quai Branly. Et il reste beaucoup de musées à visiter encore. Et qu'est-ce que tu connaissais de la France avant de venir? Tu étais déjà venu avant? Oui, on étudiait au Maroc l'histoire française. On a étudié la Révolution et tout. Je connais quelque chose sur la France, mais là, on s'est enrichi. Ouais. Et voilà l'Arc de Triomphe. Ouais, c'est bien. Et la langue française, tu la parles depuis longtemps? Oui, pour ce séjour, on s'est bien entraîné à maîtriser la langue. C'était très bien. Mais chez nous, au Maroc, on parle pas trop français. On parle juste arabe. C'est pourquoi ce séjour, il est bien pour les essences culturelles. Et tout. Tu trouves que c'est une langue difficile ou pas, le français? Il n'est pas très difficile. Si tu t'aimes ça comme langue? Oui, je l'aime. Si tu devais conseiller à quelqu'un de prendre une seconde langue, enfin d'apprendre une langue... Oui, c'est mieux, le français, il est mieux. Il est mieux que d'autres langues. On peut communiquer partout. Tout le monde nous comprend si on parle français. Par rapport à l'anglais? C'est mon point de vue. Par rapport à... L'anglais aussi, il est important. Ils sont égaux, l'anglais et le français, je pense. Par rapport à mon point de vue. Sur le plan international, tu vois. Sur le plan international aussi, ils sont égaux, peut-être. Oui. D'accord. Bon, ben merci. Oui, salut. Moi, je m'appelle Elina, je suis de Lettonie. J'ai 18 ans. Et j'apprends le français, ça fait depuis 11 ans. C'est parce que je fais mes études au lycée français de Riga. C'est une école spécialisée, donc je trouve le français qui n'est pas vachement difficile, mais c'est plus difficile que l'anglais, bien sûr, mais moins difficile que le japonais, que j'apprends aussi. Et donc, ce que je sais que la culture, j'aime bien la littérature française, Victor Hugo et comme ça, mais la plupart que je lis, c'est anglais, donc en fait, je préfère l'anglais. Donc. Et tu connais d'autres... en culture française, tu connais autre chose que des auteurs? Du cinéma, je connais pas trop parce que c'est pas trop populaire chez nous, mais je connais une chanteuse, Carla Bruni, donc dont les chansons sont en français et j'aime trop. D'accord. Et tu conseillerais à quelqu'un d'apprendre le français? Enfin, bien sûr, parce que oui, il y a tant de francophones dans le monde, donc c'est très commun le français. Et je te conseillerais absolument. Ça suffira, parce qu'on va pas tarder. Merci beaucoup. C'est ça, mais... Aux Champs-Élysées, palapalapa, au soleil, sous la pluie, au ravi-pille, au ravi-pille, il y a tous les vivants aux Champs-Élysées. Ah, scoute! Bah, je peux te dire ma chape de Grestato. Ouais. Salut! Bonjour tout le monde, quoi. Ouais. Enfin, excusez-moi, bonsoir. Non mais moi je sais jamais quoi dire, moi c'est nul. Toi c'est nul. Faut arrêter. Filmer les jeunes, moi je suis presque plus jeune. Je suis bientôt foutu. T'es bientôt quoi? Bah bientôt la retraite quoi, tu vois. Bientôt la retraite. C'est 40 ans. Non mais filmer les jeunes.
Dès que tu vois le point rouge là, c'est que ça filme en fait. Tu vois le point rouge, ça filme. Point rouge là, c'est pas. Vas-y. Regardez tous, il y a quand même des mecs. Ah, je t'ai trouvé. Quoi? Je t'ai trouvé. Oui, exact. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Filme pas.